Bonsoir à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver en direct du couvent de Lyon pour poursuivre notre cycle sur saint Thomas d'Aquin, chercher le Seigneur. Avant-dernière conférence, septième sur huit. Et nous retrouvons ce soir le frère Jean-Marie, qui est intervenu déjà au début du cycle. Donc, le frère Jean-Marie Guelette, théologien, moraliste, enseignant à l'Université catholique de Lyon. Notamment à nos frères dominicains, mais aussi à beaucoup d'autres étudiants. On pourrait dire qu'au fur et à mesure que nous avançons dans le thème de ces conférences, après avoir parlé de la théologie, de l'enseignement nouveau de saint Thomas, puis de Dieu, nous en arrivons à l'homme, un peu comme si on suivait aussi le plan de la Somme, et particulièrement ce soir, une des caractéristiques de l'homme biblique, on pourrait dire, qui est d'être créé à l'image de Dieu. Et pour voir comment saint Thomas s'empare de ce thème et il le développe pour aller aussi dans le sens de son anthropologie positive, de voir quelles sont toutes les conséquences pour l'homme d'être à l'image de Dieu. Frère Jean-Marie, je te cède la parole. Merci. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, homme et femme, il les créa. Ce verset du premier chapitre de la Genèse, on peut difficilement imaginer qu'un théologien ne le commente pas un jour ou l'autre. Dieu a créé l'homme à son image. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette image? Qu'est-ce qui en l'homme peut être reconnu comme image de Dieu. Alors, comme tous ses collègues, saint Thomas n'a pas évité cette question et nous allons le suivre de près dans, j'ai choisi juste les deux endroits majeurs de la Somme où il en parle. La première, rien d'étonnant, c'est dans la première partie de la Somme, lorsqu'il développe l'œuvre créatrice de Dieu, et qu'il étudie parmi les créatures, après avoir étudié les anges, il étudie l'homme. Et la question 93 de la Prima Pars porte directement sur la création de l'homme à l'image de Dieu. Alors il commence par examiner ce que c'est que l'image, et en particulier la comparer avec la ressemblance. Et pour ça, il utilise un exemple relativement simple. Un œuf. Jusque-là, ça va. Mais pour que la démonstration puisse marcher, il faut deux œufs. Et la question est de dire, est-ce que l'œuf de droite est à l'image de l'œuf de gauche? Bien sûr que non, parce que l'œuf de gauche n'est pas l'origine de l'œuf de droite. Et donc on peut juste dire que ces deux œufs se ressemblent, mais on ne va pas plus loin. Et donc cet exemple, ce n'est pas moi qui l'invente, hein, enfin, les œufs sont dans la Somme. Voilà un beau titre d'ouvrage de vulgarisation sur saint Thomas, les œufs sont dans la Somme. Hein, donc s'il prend cet exemple, c'est pour nous faire comprendre que dans la notion d'image, il y a plus que la notion de ressemblance ou de similitude. Je range mes œufs avec précaution pour éviter que ça tourne à l'omelette. Et donc, il nous dit, l'image ajoute quelque chose à la ressemblance, à savoir qu'elle est l'expression d'un autre. Mais si on prend simplement ce qu'il vient de dire, l'expression, est-ce qu'on ne peut pas dire que toute créature exprime quelque chose de Dieu, déjà du fait qu'elle existe, et puis qu'elle exprime quelque chose du génie créateur de Dieu? Thomas a repéré cette difficulté et il y répond en disant: la ressemblance ne suffisait pas, mais le rapport d'origine ne suffit pas non plus.
Il faut, pour qu'on puisse parler d'image, il faut qu'il y ait une ressemblance qui porte sur un aspect spécifique. Et à ce moment-là, on peut parler d'image. Qu'est-ce qui est spécifique de l'homme parmi tous les êtres vivants que Dieu a créés? Eh bien, c'est le fait d'être doué de ce qu'il appelle une âme rationnelle, c'est-à-dire d'être capable de connaître et d'aimer. Connaître l'intelligence, aimer la volonté. Toujours important de rappeler en effet que les médiévaux sont moins romantiques que nous et que pour eux, le siège de l'amour n'est pas dans les palpitations cardiaques, c'est dans la volonté. Et donc, c'est cette spécificité qui fait de l'homme la seule créature sur cette terre qui soit à l'image de Dieu, parce que l'homme est la seule créature sur cette terre qui est capable de connaître et d'aimer. Des capacités qui sont le propre de Dieu, qui se connaît et s'aime lui-même. Donc nous tenons là une première définition que nous donne Thomas d'Aquin de l'homme à l'image de Dieu. Qu'est-ce qui dans l'homme est à l'image de Dieu? Sa capacité à connaître et à aimer. Il va nous falloir préciser les choses et puis nous allons découvrir que dans un autre texte, il va rajouter une troisième dimension. Mais je ne peux pas avancer trop vite parce que cette question 93 a encore des choses à nous dire, même sans entrer dans les détails techniques de l'argumentation. En effet, vous avez entendu la manière dont le raisonnement est construit. L'homme est capable de connaître et d'aimer, et ceci est en lui l'image de Dieu qui se connaît et s'aime lui-même. Et donc on pourrait en déduire, et ça nous plairait beaucoup à notre époque, que nous sommes à l'image de Dieu qui se connaît et s'aime lui-même. Donc quand je me connais, quand je m'aime, moi, je suis à l'image de Dieu. Ça serait oui, plutôt plaisant, mais ce n'est pas ce que dit saint Thomas d'Aquin. Je suis confus de vous le dire. Ce qu'il dit, c'est que étant à l'image de Dieu, nous sommes capables de connaître et d'aimer Dieu, comme Dieu. Dieu se connaît et s'aime, eh bien, si nous sommes à son image, nous le connaissons et nous l'aimons. La nature intellectuelle imite Dieu, surtout en ce que Dieu se connaît et s'aime lui-même. Donc, vous voyez que ce n'est pas simplement des capacités de l'âme, connaître, aimer, c'est ces capacités qui sont tournées vers Dieu, et c'est vraiment là qu'elles imitent Dieu. Alors, ceci est très intéressant parce que ça va permettre à Thomas d'Aquin d'introduire des gradations dans l'image de Dieu. On n'est pas simplement à dire il y a des êtres qui sont à l'image de Dieu et puis d'autres pas, et puis ceux qui sont à l'image de Dieu, c'est comme ça et ça ne bougera pas. Non, en fait, ça bouge. Parce que ça va lui permettre de distinguer 3 degrés d'image, de la moins parfaite à la plus parfaite. La première, c'est lorsque l'homme a une aptitude naturelle à connaître et aimer Dieu, cette aptitude réside dans la nature même de l'âme spirituelle, laquelle est commune à tous les hommes. C'est ce que nous venons de voir. Dans l'âme de tous les hommes, il y a cette aptitude à connaître et à aimer Dieu. Aptitude. Et c'est en cela que c'est imparfait, parce que on peut être capable de faire des choses, mais si on ne les fait pas, ça ne sert pas à grand-chose, finalement. Vous pouvez énoncer fièrement que vous savez parler
l'arménien ou l'ouzbek. Si personne ne vous a jamais entendu parler l'arménien ou l'ouzbek, on ne voit pas tellement l'intérêt. Donc, quand on est simplement dans cette aptitude à connaître et aimer Dieu, certes, c'est ce qui est commun à tous les hommes, mais ce n'est pas encore l'épanouissement, si on peut dire, de l'image de Dieu. Deuxièmement, lorsque l'homme connaît et aime Dieu en acte ou par habitus, quoique de façon imparfaite, c'est l'image de par conformité de grâce. Lorsque la grâce soutient l'homme dans ses capacités qu'il avait naturellement, il va pouvoir connaître en acte, aimer en acte Dieu. Et cet énoncé nous permet de penser que le saint est plus à l'image de Dieu que le commun des mortels. Non pas qu'il ait dès le départ reçu une marque par création qui serait différente, mais parce que chez lui, ses aptitudes sont devenues des actes avec l'aide de Dieu. Et puis, troisième degré de cette image, lorsque l'homme connaît et aime Dieu en acte et de façon parfaite, c'est ainsi qu'on rejoint l'image selon la ressemblance de gloire. À cette étape-là, c'est donc les bienheureux qui sont dans la ressemblance de gloire, qui sont dans la vision béatifique. Alors, ils sont au plus près, si on peut dire, de la connaissance et de l'amour de Dieu. Et on aurait pu imaginer, Thomas ne le fait pas, mais on aurait pu imaginer qu'à propos de ce troisième niveau, il puisse citer la première lettre de Jean, « Nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. » Nous lui serons semblables. Vous voyez, on est vraiment au maximum de l'image, si on peut dire. Donc, vous voyez, trois niveaux de perfection croissante. La capacité, l'aptitude à connaître et aimer Dieu, présente en tout homme, commune à tous les hommes. Donc, vous voyez, ça ne dépend pas de la foi, commune à tous les hommes, par nature. Deuxième niveau, la connaissance et l'amour en acte, quoique imparfait, c'est ce qu'on trouve chez les saints, sous l'action de la grâce, et puis la connaissance et l'amour de Dieu à la perfection chez les bienheureux. Donc, vous voyez, c'est très intéressant, je trouve, parce que ça nous montre que l'image de Dieu n'est pas, comme souvent la littérature patristique l'avait dit, simplement un sceau, une marque posée par Dieu dans l'âme de l'homme, c'est une réalité dynamique. C'est toujours intéressant de voir que chez saint Thomas, on a l'impression que c'est un monument où tout est coulé dans le bronze, mais au contraire, il y a un dynamisme extraordinaire chez saint Thomas d'Aquin. Et là, on le voit, cette image n'est pas une réalité statique, elle peut croître, on pourrait dire, en perfection. Et j'insiste, ce qu'il y a de plus parfait, ce qu'il y a de plus réel chez Thomas d'Aquin, ce n'est pas une aptitude. C'est un acte. Et donc, l'image sera d'autant plus réelle. Ce n'est pas simplement une perfection. Quand on entend perfection, on pense un peu perfection morale. Mais là, c'est une perfection métaphysique. Elle sera d'autant plus réelle que la connaissance et l'amour de Dieu seront vécus réellement, seront vécus en acte le plus parfaitement possible. Et donc, on peut dire à la lecture de ce texte que nous sommes créés à l'image de Dieu et que nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Donc, tous les hommes sont créés porteurs de cette aptitude à aimer et à connaître Dieu, mais nous pouvons devenir de plus en plus à l'image de Dieu. Et donc, un tel raisonnement lui permet de résoudre la question qui pouvait se poser du Christ, image parfaite, à partir du texte en particulier de l'hymne aux Colossiens de saint Paul, qui parle du Christ comme l'image du Dieu invisible. Alors oui, bien sûr, le Christ est le seul qui manifeste à la perfection l'image de Dieu, parce que bien sûr, chez lui, la connaissance de Dieu et l'amour de Dieu sont non seulement pas une simple aptitude, mais un acte, et un acte parfait.
Et donc, on pourrait dire que Jésus est le seul homme qui ait vécu sur cette terre, qui ait été parfaitement à l'image de Dieu. Et donc, ça veut dire aussi pour nous, comment dire, une attitude que saint Thomas nous encourage souvent à avoir, que si nous voulons savoir ce qu'est l'homme, regardons le Christ, l'homme parfait. Alors, nous pouvons, sur cette base-là, qui est fondamentale, l'image de Dieu en nous, c'est cette capacité à connaître et aimer Dieu qui ne demande qu'à être vécue vraiment en acte. Sur cette base-là, nous pouvons nous arrêter un instant à une question dont il me semble qu'elle n'intéressait pas beaucoup Thomas d'Aquin parce qu'il ne l'a pas considérablement développée. C'était la question de savoir s'il y avait une dimension trinitaire dans cette image. Est-ce que l'image de Dieu dans l'homme peut donner l'idée qu'elle est l'image de chacune des trois personnes de la Trinité? Alors, il répond positivement, toujours un peu la même chose, comme saint Augustin avait beaucoup développé cet aspect-là, un théologien médiéval peut difficilement faire autrement que de dire que c'est possible. Hein. Et donc, il dit que être à l'image de Dieu par une imitation de la nature divine n'exclut pas que l'on soit à l'image de Dieu par une représentation des trois personnes. Pour le moment, nous avons vu imitation de la nature divine, connaître Dieu et aimer Dieu. Et il dit, mais on peut l'être aussi, ce n'exclut pas qu'on soit à l'image de Dieu par une représentation des trois personnes. Cela n'exclut pas, mais en fait, il ne va pas le développer. Là où Augustin, au contraire, avait développé toute une théologie mettant en relation mémoire, intelligence et volonté avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc il voyait, il avait mis en valeur, Augustin avait mis en valeur une structure ternaire de l'intellect humain pour y voir un reflet des trois personnes de la Trinité. Je souligne que, au passage, parce que ça va être important pour la suite de notre parcours, que alors qu'il discute cette question de l'image de la Trinité dans l'âme, Thomas d'Aquin cite, sans plus de commentaires, l'anthropologie d'un autre père de l'Église, plus tardif qu'Augustin, Jean Damascène, donc un père de Palestine du 8e siècle, qui enseignait que être à l'image de Dieu signifie que l'homme est doué d'intelligence, de liberté dans son jugement et d'une capacité à disposer de lui-même. Donc, vous voyez, trois pôles qui ne sont pas du tout les mêmes que saint Augustin. Intelligence, liberté de jugement, capacité de disposer de lui-même. J'ai trouvé ça étonnant de découvrir que Thomas d'Aquin posait cette citation, si on peut dire, à cet endroit-là. Il ne la discute pas et il va lui faire jouer un rôle absolument essentiel un peu plus tard. Restez avec nous pour connaître la suite. Mais donc, bien qu'il trouve ici, dans cette citation de Jean Damascène, trois pôles, il n'en tire aucune conclusion trinitaire. Même chose un peu plus loin, où il dit que pour la créature douée de raison, on trouve une procession du Verbe dans l'intelligence et une procession de l'amour dans la volonté. Et il fait là, il emploie ces termes-là, évidemment, pour faire l'analogie avec la procession du Verbe et la procession de l'Esprit dans la Trinité. Mais étonnant de voir qu'il parle de la procession du Fils et de la procession de l'Esprit, mais il ne parle pas du Père. Il n'y a pas, il dit qu'il y a une image trinitaire parce qu'il y a ces deux processions, mais il n'y a pas ce dont le Verbe et l'Esprit procèdent du Père. Et donc, oui, je trouve qu'on a l'impression qu'il évoque cela, la possibilité d'une
d'une trace trinitaire dans le fait que nous pouvons énoncer une idée à l'image du Père qui dit le Verbe et que nous pouvons, dans un acte distinct, porter sur cette idée notre amour à l'image de la procession de l'Esprit-Saint. Mais il ne détaille pas, il n'en fait pas le fondement de sa théologie de l'image de Dieu comme le faisait Augustin. Et puis, pour éviter que, mesdames, vous ne nous quittiez prématurément, vous pouvez avoir l'impression que depuis le début de mon propos, c'est totalement insupportable parce que je ne parle que de l'homme à l'image de Dieu et que pourtant Genèse 1, 27 parlait bien de l'homme et de la femme. Alors, vous pouvez y voir un signe dramatique du machisme de Thomas d'Aquin et des Dominicains en général. Eh bien, c'est une erreur fatale, parce que Thomas d'Aquin dit exactement le contraire. En effet, intéressant de voir qu'il dit « Si l'Écriture, après avoir dit « à l'image de Dieu, il le créa », ajoute « homme et femme, il les créa », ce n'est pas pour inviter à découvrir l'image de Dieu dans la distinction des sexes, mais parce que l'image de Dieu est commune à l'un et l'autre sexe, puisqu'elle se réalise au niveau de l'âme spirituelle dans laquelle il n'y a pas de distinction des sexes. » Donc, il est clair que pour lui, l'âme intellectuelle dont il parle ici, la partie intellectuelle de l'âme, elle est absolument la même chez l'homme et chez la femme. Maintenant que tout le monde est rassuré, nous pouvons passer au deuxième texte dans lequel Thomas d'Aquin va s'intéresser à l'image de Dieu. C'est un texte extrêmement court, mais qui est absolument essentiel parce que c'est la charnière entre la première et la deuxième partie de la Somme, entre la première partie où il a parlé de Dieu et la deuxième partie où il va faire la théologie morale. En effet, pour les médiévaux en général et chez Thomas d'Aquin en particulier, la morale n'est pas isolée du reste de la théologie, elle n'est pas distincte de la dogmatique comme elle l'est aujourd'hui, elle est au contraire partie intégrante de la réflexion théologienne sur le mystère de Dieu. Et elle se situe dans la Somme entre le mystère de Dieu créateur et le mystère du salut en Jésus-Christ. Et donc cette immense partie de la Somme consacrée à la théologie morale, c'est le plus gros morceau, si on peut dire, va commencer par un prologue qui mérite qu'on s'y arrête avec beaucoup d'attention. Je le lis d'abord dans son intégralité, c'est assez bref. « L'homme étant fait à l'image de Dieu, et par là il faut entendre, selon saint Jean Damascène, qu'il est doué d'intelligence, de libre arbitre et d'un pouvoir d'action qui lui appartient en propre, nous devons, après avoir traité de l'exemplaire qui est Dieu et de ces choses émanées de sa puissance conformément à sa volonté, aborder maintenant ce qui concerne son image, l'homme, selon que lui aussi est le principe de ses propres actes, car il a le libre arbitre et la puissance sur ses œuvres. » Donc, après avoir étudié Dieu, qui est l'exemplaire, chez qui on peut contempler intelligence, liberté, pouvoir d'action qui lui appartient en propre, on va se tourner vers la seule de ces créatures qui est ces mêmes capacités d'intelligence, de liberté et d'un pouvoir d'action, c'est-à-dire l'homme. Et donc, j'espère que vous entendez combien est lourd de conséquences pour la théologie morale le fait de dire « l'homme est le principe de ses propres actes, car il a le libre arbitre, la puissance sur ses œuvres ». L'homme est l'auteur de ses actes, et c'est en cela qu'il est à l'image de Dieu. Donc quand on nous dit que
Il a fallu attendre le XVIIIe siècle pour que l'homme enfin acquiert une autonomie et puisse se comporter comme un sujet. Ça fait doucement sourire, puisque ici, nous avons au contraire l'affirmation solennelle, si on peut dire, avant de commencer l'élaboration d'une théologie morale, l'affirmation solennelle que lorsque l'homme se comporte comme sujet, comme maître de ses actes, comme origine de ses propres actes, et qu'il le fait avec toute sa liberté, qu'il choisit de le faire, eh bien c'est en cela qu'il est, comme on le disait tout à l'heure, à un niveau plus parfait de l'image de Dieu, parce qu'il la met en acte. Alors, j'ai été voir le texte de saint Jean Damascène que Thomas d'Aquin cite ici. Donc, je vous rappelle, Palestine, 8e siècle. L'âme n'a pas auprès d'elle l'intellect comme quelque chose d'autre, mais comme sa partie la plus pure. Ce que l'œil est au corps, l'intellect l'est à l'âme. Dotée de libre arbitre, capable de vouloir et d'agir, elle est susceptible de changer. Autrement dit, elle change à volonté puisqu'elle est créature. Tout cela, elle l'a reçu de sa nature, de par la grâce de celui qui l'a créé. Donc, vous voyez, en effet, on trouve ici les différentes composantes dont parle Thomas d'Aquin, l'intellect, l'intelligence, le libre arbitre et cette capacité d'agir. Mais intéressant de voir que, comme souvent au Moyen-Âge, ce n'est pas une citation précise avec des guillemets et une note de bas de page. Et vous voyez que le texte de Jean Damascène est un peu décalé par rapport à celui de Thomas d'Aquin. Deux décalages. Le premier, c'est que Jean Damascène, quand il parle de tout cela, n'en fait pas une théorie de l'image de Dieu. Il dit que Dieu l'a doté par sa grâce de tout ça, mais il ne fait pas référence au concept d'image de Dieu. Et puis, il a aussi cette incise étonnante sur la... Le fait que l'âme, dotée de libre arbitre, capable de vouloir et d'agir, est susceptible de changer. Elle change à volonté puisqu'elle est créature. Et donc, vous retrouvez de manière un peu différente, mais exprimer ce dynamisme qu'on repérait tout à l'heure chez Thomas d'Aquin dans ses différents niveaux de perfection de l'image de Dieu. Eh bien, ici, on voit Jean Damascène qui pressentait déjà cela et qui insiste sur le fait que l'âme n'est pas immuable et qu'en agissant, elle se transforme. Donc, dans cette anthropologie théologique que Thomas d'Aquin développe et dont il fait l'assise de sa théologie morale, ce qui est spécifique, ce qui fait que l'homme est différent des animaux, c'est que, alors qu'il a beaucoup en commun avec les animaux, sa condition corporelle et toute une partie de l'âme, c'est-à-dire toute la partie sensible, émotionnelle, on pourrait dire aujourd'hui, de l'âme, tout ça on l'a en commun avec les animaux, ce qui fait la spécificité de l'homme, c'est l'âme rationnelle, c'est-à-dire cette interaction entre intellect et volonté, sa capacité de connaître et d'aimer. Mais nous l'avons déjà dit, mais il faut le répéter inlassablement, ces capacités ne sont intéressantes que si elles sont source d'action, si nous les mettons en acte. Et c'est ici qu'intervient la liberté. Nous n'allons user de nos capacités que si nous les engageons. Agir, c'est s'engager. Agir, c'est engager sa liberté. Thomas nous le dit, nous sommes le principe de nos actes. Nous sommes les auteurs de nos actes. Mais nous le savons bien, agir, c'est choisir entre plusieurs solutions possibles. C'est choisir d'agir au lieu de s'abstenir d'agir. Et donc, agir, c'est engager sa liberté, c'est user de sa liberté. Et donc, vous le voyez, combien c'est intéressant de découvrir ici qu'on peut mettre en valeur
la liberté de l'homme, non pas comme une forme de révolte contre Dieu, de libération à l'égard d'un Dieu qu'on envisage comme un tyran, une libération arrachée à la force du poignet contre l'autorité de Dieu. Bien au contraire, ici, elle est la mise en œuvre de ce que Dieu a voulu. Dieu a voulu l'homme libre et il n'attend que cela, que l'homme use de sa liberté pour oser agir, pour oser s'engager. Mais il faut vraiment y insister, dans ce texte charnière, on est vraiment dans un acte théologique, c'est-à-dire une élaboration sur Dieu. Si on peut dire que l'homme est à l'image de Dieu, parce que comme Dieu, il est doué d'intelligence, de liberté et d'un pouvoir d'agir, alors la partie de la théologie que nous appelons aujourd'hui théologie morale, qui s'intéresse aux actes de l'homme, elle peut être envisagée dans une dimension contemplative. Il ne s'agit pas simplement de faire des catalogues pour les confesseurs en disant qu'est-ce qui est péché, qu'est-ce qui n'est pas péché, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Il s'agit de, en contemplant comment l'homme agit, comment il s'y prend, on pourrait dire, pour agir, et Thomas d'Aquin va faire une psychologie très, très fouillée, très, très précise de tout ce qui se passe en nous lorsque nous prenons la décision d'agir. Eh bien, quand on regarde cela, quand on le contemple, on contemple ce qui, en l'homme, est à l'image de Dieu. Et on peut déplorer quand il s'éloigne de cette image. Mais vous entendez que chez Thomas d'Aquin, dans une telle perspective, s'éloigner de Dieu, ce n'est pas forcément, et en tout cas sûrement pas uniquement, commettre des actes franchement mauvais. On s'éloigne terriblement de Dieu, on s'éloigne terriblement de l'image de Dieu quand on ne fait rien, quand on ne fait absolument rien, quand on se contente de dire « ouais, je suis capable, ouais, je sais que je suis capable, mais en fait, je ne fais rien ». Et donc, le fameux péché par omission, c'est ça, c'est quand on pourrait faire et qu'on ne fait rien. Et ça, je pense que ça devait énerver beaucoup Thomas d'Aquin. Il ne me l'a pas dit, mais je pense. Donc, lorsque l'être humain réfléchit à ce qu'il convient de faire et qu'il décide d'agir en faisant preuve de liberté et qu'il exerce la maîtrise qu'il peut exercer, qui est toujours limitée, bien sûr, sur ses actes, eh bien, il fait ce que Dieu attend de lui. On pourrait dire la volonté de Dieu chez Thomas d'Aquin, c'est ça. Que l'homme se comporte comme un sujet intelligent. C'est pas mal quand même, non, comme perspective. Et quand nous nous comportons comme des sujets intelligents qui réfléchissent avant d'agir, mais qui n'oublient pas d'agir, eh bien, nous honorons Dieu parce que nous honorons l'image de Dieu en nous. Et donc, vous voyez, la liberté n'est pas accessoire, elle n'est sûrement pas réservée à une élite. Je me permets de vous rappeler que tout ceci, il a clairement dit que c'était par nature, que c'était commun à tous les hommes. La liberté n'est donc pas un accessoire et elle n'est pas marginale par rapport à ce qui fait la beauté de l'être humain. Et l'être humain ne s'est pas libéré de Dieu, il est libre à cause de Dieu. Vous avez entendu qu'il conjugue constamment intelligence et volonté, toujours important de le souligner, même si on n'a pas le temps de s'y arrêter trop, mais quand même intéressant de souligner que pour avoir une vie morale selon Dieu, cohérente avec cette image de Dieu en nous, eh bien, il faut, non pas il faut être intelligent au sens avoir une intelligence au-dessus de la moyenne, mais il faut utiliser son intelligence, il faut réfléchir avant d'agir. Il ne s'agit pas simplement de faire preuve de volonté pour vouloir le bien, il faut aussi réfléchir à ce qui est opportun, réfléchir aux circonstances dans lesquelles
on agit. Je voudrais juste, en terminant, évoquer une conséquence de cette mise en valeur principielle au début de la deuxième partie de la Somme, de l'homme à l'image de Dieu, doué d'intelligence, de liberté et d'une capacité d'agir. Cela va susciter aussitôt, c'est-à-dire dès la première question le premier article de la première question de la Segunda Pars, la distinction très importante entre acte humain et acte de l'homme. En effet, saint Thomas distingue les actes humains, qui sont les actes volontaires et libres, et les actes de l'homme, qui sont des actes qui conviennent à l'homme, mais qui ne sont pas le fruit de sa volonté et qui donc ne sont pas libres. Là encore, intéressant de voir que, bien évidemment, le terme d'inconscient n'apparaît pas dans l'œuvre d'un médiéval, mais en revanche, il serait tout à fait faux de déduire de ce que nous avons étudié jusqu'à présent un propos illusoire sur le fait que tout chez nous serait l'objet de notre maîtrise. Disait l'homme est le principe de ses actes. Oui, ce n'est pas pour autant qu'il maîtrise tout et que tout chez lui est pensé dans l'intelligence, voulu dans la volonté et exercé avec liberté. Non, il y a beaucoup de choses qui échappent à volonté et liberté, mais à ce moment-là, ce sont des actes de l'homme et non pas des actes humains. Je crois que c'est une distinction vraiment importante parce que, on pourrait dire, elle est libératrice aussi, de se rendre compte que tout dans notre vie n'est pas volontaire et libre. Et qu'il peut y avoir des actes de l'homme qui ont des conséquences fâcheuses. Ce n'est pas nécessairement neutre moralement. Donc on peut dire, je regrette beaucoup que ce qui s'est passé ait pu vexer, ait pu choquer, tout ce qu'on veut. Mais vraiment, je n'y suis pour rien. Enfin, on pourrait dire, là, on est dans le registre de l'excuse, quoi, de dire, c'est bien moi qui suis à l'origine de cet acte mauvais, mais je ne l'ai pas voulu. Alors, bien sûr, c'est une distinction extrêmement utile, je pense, intellectuellement et moralement, quoi, pour se dire, tout ne relève pas de notre choix volontaire et libre. Cela dit, la question de la frontière entre ces deux concepts est extrêmement délicate. Parce que quand est-ce qu'on peut dire j'étais parfaitement libre sans aucune détermination quand j'ai agi, ou quand est-ce qu'on peut dire j'étais absolument pas libre, il n'y avait absolument rien de ma volonté dans ce qui s'est passé. Bien souvent, on est c'est un peu difficile de dresser comme ça une frontière très, très précise. Il n'y a jamais d'acte qui échappe totalement à l'influence de la volonté. Si, il prend comme exemple, à certains moments, comme acte de l'homme, le fait de respirer. Nous ne pensons pas à chaque fois que nous respirons, nous ne voulons pas respirer, mais nous pouvons nous arrêter de respirer pendant un certain temps quand même. Donc nous pouvons bien, celui qui fait de la plongée en apnée, il exerce sa liberté, sa volonté sur sa respiration. Donc vous voyez, c'est habituellement involontaire, mais il y a des moments où ça le devient. Donc tout ça n'est pas tranché, on pourrait dire. Alors, après avoir précisé le concept, je vous montre le texte. Parmi les actions accomplies par l'homme, celles-là seules sont appelées proprement humaines, qui appartiennent en propre à l'homme selon qu'il est homme. Et l'homme diffère des créatures privées de raison en ce qu'il est maître de ses actes. Tout ça est devenu, je pense, tout à fait limpide pour vous. D'où il suit qu'il faut appeler proprement humaines les seules actions dont l'homme est le maître. Mais c'est par la raison et la volonté que l'homme est le maître de ses actes, ce qui fait que le libre arbitre est appelé une faculté de la volonté et de la raison. Il n'y a donc de proprement humaine que les actions qui procèdent d'une volonté délibérée. Donc c'est ce que
que j'appelais tout à l'heure avec lui les actes humains. S'il est d'autres actions qui conviennent à l'homme, on pourra les appeler les actions de l'homme, mais non pas des actions proprement humaines, parce qu'elles ne procèdent pas de l'homme en tant qu'homme. C'est les actions de l'homme, parce qu'en effet, c'est bien cet homme-là qui est à l'origine de cet acte, de cet événement que je peux constater, mais il n'en est pas le sujet par sa volonté et sa liberté. Alors, cette distinction me semble extrêmement utile parce que elle nous permet de, on pourrait dire, de faire un peu le tri, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut être tenté soit de basculer tout du côté acte de l'homme en disant, de toute façon, nous n'avons aucune liberté, nous sommes dans des déterminismes psychologiques et sociaux tels que les actes que nous posons se posent sans nous. Mais on peut aussi, ô combien, aujourd'hui, et pas nécessairement pour des raisons religieuses, être à fond dans l'excès inverse, c'est-à-dire penser que par ma volonté, je peux tout maîtriser, je peux tout connaître en moi et exercer ma liberté sur chaque parcelle de mon être. Le fait d'avoir cette distinction à notre disposition me semble intéressant pour se dire il y a de l'un et il y a de l'autre, mais il n'y a pas tout d'un côté ou tout de l'autre. Donc, nous pouvons retenir de cette rapide évocation de l'image de Dieu en l'homme chez Thomas d'Aquin que c'est dans cette articulation entre intelligence, volonté et liberté que repose l'image de Dieu dans l'homme. L'homme est doué d'intelligence et de volonté, il est capable de connaître et d'aimer. Nous avons vu au début que l'objet essentiel qu'il est capable de connaître et d'aimer, c'est Dieu, puisqu'il est à l'image de Dieu. Et il est le principe de ses actes, il est le sujet de ses actes. Et c'est lui qui les produit. Il n'est pas un pion, il n'est pas téléguidé, si on peut dire. On pourrait tout à fait ici, si on avait le temps, faire le lien avec la théologie de la providence chez Thomas d'Aquin, où la providence n'est pas du tout, même si c'est le gouvernement que Dieu exerce sur le monde, ce n'est pas un gouvernement où Dieu serait équipé de plein de petites télécommandes pour bouger tout le monde comme des pions. Au contraire, il s'en remet, on pourrait dire. Il veille à ce que les hommes assument ce qu'ils peuvent assumer dans le gouvernement du monde au nom de Dieu, si on peut dire, mais qu'ils prennent leur part de responsabilité. Donc, je trouve que c'est quand même important d'entendre que cette notion biblique de l'image de Dieu a des conséquences importantes pour la vie morale parce qu'elle révèle l'éminente dignité de l'être humain créé par Dieu. En le créant à son image, il le reconnaît comme capable d'agir, comme capable de connaître et d'aimer à l'image de Dieu. Et donc, j'espère que tout ça vous donne envie de continuer à travailler la théologie morale de Thomas d'Aquin. Merci. Merci, frère Jean-Marie. Bon, tu as toi-même fait le résumé à la fin, donc je n'ai plus besoin de le faire. Même si voilà, tu montrais un peu deux directions finalement de cette image de Dieu, à la fois le fait de... On est à l'image de Dieu parce qu'on est capable de connaître et d'aimer Dieu, et on est à l'image de Dieu parce qu'on est principe de nos actes. On pourrait dire que le lien, c'est peut-être parce que c'est Dieu qui est éminemment le principe de ses actes. Tu as identifié à un moment trois niveaux dans cette première partie l'image de Dieu. J'entendais un peu un écho à ce qu'on peut dire justement aussi à partir du texte biblique en disant qu'on est à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais la ressemblance, on l'a perdue par le péché.
d'une certaine façon, ces trois niveaux sont un peu comme une façon de... On réacquiert cette ressemblance. Enfin, moi, j'avais l'impression d'entendre un peu ça, mais tu l'as pas dit comme ça, mais je voulais savoir si c'était un peu ça l'idée pour Saint Thomas. Dans le texte que je commentais, il n'est pas question du péché. Donc, c'est pas parce qu'on l'a perdu, c'est parce que l'imperfection, et c'est vraiment intéressant de l'entendre, chez Thomas d'Aquin, ici comme ailleurs, le péché originel n'est pas la clé de tout, quoi. Pas du tout. Et il a, je pense, un rôle pas si important que ça dans l'anthropologie de Thomas d'Aquin. Et ici, c'est tout à fait clair. C'est-à-dire que le premier niveau qui était considéré comme l'image imparfaite, l'imperfection en question, c'était de ne pas passer à l'acte, de garder la capacité, mais de ne pas agir du côté de la connaissance et de l'amour de Dieu. Donc de se savoir capable de connaître et d'aimer et de ne rien en faire. Alors on peut dire, ça c'est le péché, oui, mais c'est pas la conséquence d'un péché originel. En tout cas, il ne le dit pas du tout dans le texte. Oui, et sur l'idée d'être principe de ses actes et de prendre des initiatives, on comprenait en t'écoutant que finalement saint Thomas d'Aquin a écrit la somme pour secouer ses frères, en fait, pas seulement pour les enseigner, mais... Ah bah oui, je pense vraiment que c'est une théologie qui est un appel à être pleinement, ou j'aurais tendance à dire pleinement vivant, quoi. Enfin, et engagé, on pourrait dire, c'est-à-dire engagé dans le sens mettre en œuvre ses capacités. Et puisque je ne vois pas de questions dans les chats, sauf si Albert me fait signe, je continue un petit peu avant de donner la parole à la salle. Quand tu parlais de la question de l'image de Dieu, tu te demandais si on pouvait voir une trace trinitaire de cette image. Spontanément, on pourrait se dire, est-ce qu'on n'est pas surtout à l'image du Fils ? Puisque aussi, parce que tu disais que quand on veut savoir ce qu'est l'homme, il faut regarder Jésus. Je ne m'aventure avec prudence dans des domaines de dogmatiques qui ne sont pas trop les miens, mais en tout cas, dans les textes que j'ai retravaillés dans la prima pars pour cette conférence, nous ne sommes pas à l'image du Fils. Le Fils est l'image parfaite. Le Christ est l'image parfaite, mais nous ne sommes pas créés à l'image du Fils. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Parce qu'il va chercher cette image très profonde, si on peut dire, puisque vous l'avez vu dans un des textes que j'ai cité tout à l'heure, il fait allusion à la nature de Dieu. Connaître et aimer Dieu, c'est la nature même de Dieu. Je pense que ta proposition, elle rabaisserait le niveau, si on peut dire. C'est tout à fait étonnant de dire. Et c'est pour ça que moi, il m'est venu à l'esprit la citation de la première lettre de Jean, quand la première lettre de Jean dit « Nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est ». C'est complètement vertigineux, quoi. Nous lui serons semblables. Alors, est-ce que les frères ont des questions ? Oui ? Heureusement que les frères sont là pour poser des questions au nom des internautes. Oui, frère Thomas, j'ai deux petites questions. Les actes qui sont de l'homme, mais qui ne sont pas proprement humains, est-ce qu'on pourrait dire que c'est des actes qu'on a en partage avec les animaux, par exemple ? Oui. Oui, mais pas uniquement. Enfin, oui, parce que quand il prend l'exemple de la respiration ou de la digestion, oui. Mais ça peut être plus large, puisqu'il dit que ce sont des actes qui conviennent à l'homme, mais qui ne relèvent pas de la volonté et de la liberté. Alors, il ne s'agit pas d'y penser simplement en imaginant qu'on va pouvoir faire des espèces de catalogues dans l'abstraction, quoi, en disant ça, c'est des actes. La respiration, la digestion, c'est acte de l'homme. Suivre une conférence, c'est un acte humain. Parce que ça peut être aussi dans la situation même, enfin, ou en analysant ce qui se passe, la manière dont la personne raconte comment elle a agi, on va se dire mais il n'y avait pas de volonté et de liberté qui était mise en œuvre à ce moment-là. Et donc on va dire mais c'est pas un acte humain à ce moment-là.
mais sans que ce soit nécessairement... C'est très important, cette distinction-là, elle peut être très importante dans le cadre de l'aide qu'on peut apporter à des gens en les écoutant ou dans le cadre de la confession, quoi, de pouvoir dire à des personnes, dans certains cas, ne vous croyez pas coupable d'actes qui vous ont échappé, par exemple, alors que vous n'y aviez absolument pas mis votre volonté. Mmh. D'accord. Merci. Et deuxième question. Tout à l'heure, tu parlais donc de l'aptitude à connaître et aimer Dieu qui est commune à tous les hommes. Et puis après, de la manière de connaître et d'aimer Dieu propre aux saints et propre aux bienheureux. Celle propre aux saints, elle est en acte imparfait ou par habitus, si je me souviens bien. Et celle propre aux bienheureux, c'est un acte parfait. Tu as appris par cœur, c'est magnifique. Et alors ma question, c'est est-ce qu'on peut dire qu'il y a beaucoup de monde qui est saint ? Donc, si c'est la manière d'aimer Dieu en acte imparfait ou par habitus, c'est celle des saints. Ça, c'est une question qu'il faut poser à Dieu. Moi, je ne suis pas au courant. Je ne sais pas. Mais en tout cas, et puis on voit bien qu'il fait ces trois étapes pour faire comprendre, mais on voit bien que c'est un continuum. Hein, c'est que ça va du moins parfait au plus parfait, progressivement. Quoi. Merci. Juste pour revenir sur c'est l'image de la Trinité, c'est effectivement une question qu'on pose souvent à la théologie de saint Thomas. Je crois que saint Thomas a un tel respect de l'unité de Dieu qu'il résiste un peu à toutes ces caractérisations. Il y en a eu beaucoup qui veulent retrouver des images de la Trinité, des différentes personnes, mais qui, d'une certaine manière, brisent l'unité divine. Et c'est pour cela qu'il est assez discret là-dessus. En revanche, dans sa théologie de l'envoi des personnes divines, de la mission, des missions des personnes divines dans l'âme, là, il retrouve un peu cette image trinitaire en l'homme, mais il dit simplement c'est par appropriation. Il emploie ce terme en disant que dans le don de sagesse, c'est par appropriation à la façon dont le Fils procède. Le don d'amour, c'est une appropriation dans la façon dont l'Esprit procède. Mais on est vraiment dans une grande discrétion, mais que je crois assez juste. Ben oui, je suis content que toi qui connais mieux la prima pars que moi, tu confirmes cette impression. C'est-à-dire qu'il évoque ce genre de choses parce qu'il y avait une telle tradition avant lui que je pense qu'il ne pourrait pas être totalement silencieux. Mais il le fait avec, toi tu dis avec discrétion, mais moi je trouve avec l'impression qu'il y a un certain inconfort. Quoi. Il dit oui, on ne peut pas exclure que, mais enfin non, mais c'est quand même un peu du bout des doigts et c'est pas au cœur de l'argumentation. Alors peut-être plus à propos des dons, mais dans la partie la plus anthropologique, c'est vraiment très discret. Deux questions d'internautes. Merci à vous pour vos questions. Une qui revient sur la distinction entre acte humain et acte de l'homme, en se demandant si c'est la présence d'un tiers qui permet de déterminer si c'est un acte humain ou un acte de l'homme. Enfin, je comprends la question comme est-ce que l'acte humain, c'est plutôt un acte en relation avec quelqu'un d'autre, et l'acte de l'homme, comme tu disais, respirer, on pourrait penser des choses plus... Oh non, oui. Enfin, en effet, les exemples un peu basiques que prend Thomas de ce genre-là donnent l'impression que c'est dans un rapport de soi à soi, mais non. Enfin, on peut tout à fait envisager que toutes les imperfections, on pourrait dire, en sortant de cette salle, tu m'écrases les doigts de pied parce que t'as pas vu que j'étais à côté de toi. J'espère que ça sera un acte de l'homme et pas un acte humain. Mais tu vois, c'est ce genre de dérapage, si on peut dire. Alors, c'est bien pour ça que je disais tout à l'heure, ça n'interdit pas de les qualifier de mauvais. J'aurais probablement vraiment mal aux pieds. Mais tu vas me dire, excuse-moi, je ne t'avais pas vu. Et je vais dire, si, je suis sûr que tu le voulais. Non. Donc, c'est vraiment capital, je trouve, de se dire que dans les actes de notre vie, que ce soit des actes tournés vers les autres ou même vers soi-même, il y a des choses qui nous échappent. Qui sont pas volontaires et libres. Et la deuxième chose, justement, comme on parlait de la volonté et de la liberté, quelqu'un demandait, mais comment saint Thomas définit la liberté ?
À quelles conditions l'homme est-il vraiment libre? Bon, là, ça devient un grand débat, mais peut-être. Sur... Moi, je ne suis pas comme le frère Camille. Moi, je n'ai pas tout de suite la définition claire et immédiate. Et donc, je bafouille. Alors, soit je laisse la parole à Camille, qui sait sûrement. Non, il ne sait pas. Soit je dirais la possibilité, en tout cas dans le cadre de ce que j'ai évoqué aujourd'hui, il me semble assez clair que c'est la possibilité de ne pas agir, par exemple. Quand il dit l'homme, il a un libre arbitre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un déterminisme. On le voit très bien dans le traité des actes humains, lorsqu'il analyse comment on en arrive à agir, il va dire il y a l'intelligence qui cherche quel est le bien qui convient en étudiant la situation où on se trouve, les normes qu'elle connaît, etc. Et puis à un moment, elle va reconnaître le bien qui lui semble convenir. Et là, il y a un moment de liberté. Parce que ce n'est pas parce que je sais ce qui est bien que inéluctablement je vais le faire. Il y a des tas de situations où on sait très bien ce qu'il faudrait faire, et on ne le fait pas. On va faire autre chose qui est plus sympa, qui est plus attirant, je ne sais pas quoi. Donc, je trouve que c'est un peu vertigineux, mais en même temps, c'est extrêmement important de bien repérer qu'il n'y a pas une espèce d'empire terrible, de tyrannie exercée par l'intelligence qui imposerait à la volonté d'exécuter ce qu'elle veut. Elle présente le bien, et Thomas dit elle présente le bien et la volonté sont saisies, parce que la volonté est un désir de bien. Et donc l'intelligence présente le bien à la volonté qui peut s'en saisir, mais qui peut aussi se saisir d'autre chose. C'est vraiment ce lieu-là, si on peut dire, ce moment-là où on voit la liberté à l'œuvre. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez bien que la liberté à l'œuvre, elle a beaucoup à voir avec le désir. C'est-à-dire que si la volonté ne choisit de ne pas se porter sur le bien que lui présentait l'intelligence, eh bien, c'est qu'il y a un truc plus séduisant dans le paysage qui lui est apporté, en particulier par les facultés plus sensibles. Et donc, c'est très intéressant, même au point de vue de l'éducation, cette affaire-là. Parce que ça veut dire que si on veut essayer de faire en sorte que la volonté se porte un peu plus souvent sur les biens que l'intelligence reconnaît comme les meilleurs, eh bien il faut que l'intelligence les présente de manière attirante. Si on dit que tu as le choix entre aller faire la fête avec tes copains et puis faire tes devoirs à la maison, parce que c'est très important d'avoir des bonnes notes, la volonté, elle va dire bye bye, quoi. Enfin, ça ne l'intéresse pas. Donc je crois que c'est vraiment important, déjà, dans notre propre cinéma intérieur, que notre intelligence soit capable de reconnaître ce qu'il y a d'attirant dans le bien, et pas simplement d'y voir un devoir à exécuter par obéissance, mais de se dire « mon bonheur est là, ma vie est là ». Et puis, quand on essaye d'éclairer l'intelligence des autres, et bien là aussi, de rendre le bien attirant. Sinon, la volonté qui est libre, elle va aller vers ce qui est plus attirant. Quoi. C'est évident. Merci beaucoup. Tu t'es bien tiré de ce bafouillage initial. Non, c'est vrai que c'est très éclairant, cette articulation entre volonté et intelligence. Et puis, juste pour terminer, mais une question plus technique, qui serait plus facile à régler, qui est quelle différence y a-t-il entre sain et bienheureux? Et je pense que c'est dans ta gradation, tu disais qu'au début c'est tous les hommes, ensuite c'est le saint, c'est celui qui est capable d'aimer Dieu en acte mais de façon imparfaite, et le bienheureux dans la gloire. C'est vrai que entre saint et bienheureux, si on le comprend comme la hiérarchie habituelle de la canonisation, ça peut induire en erreur. C'est les bienheureux au sens de ceux qui sont dans la béatitude, donc c'est après la mort. Ça, c'est le top. Et donc, c'est au-delà de la condition corporelle. Si la connaissance et l'amour du saint
ne sont pas parfaites, c'est parce qu'il est encore dans la condition corporelle, marqué par toutes les limites particulières. Parce que là, tu parles d'un être vivant qui est encore sur Terre. Bien sûr. Et quand, tant que nous sommes sur Terre, nous sommes limités dans nos capacités de connaissance, y compris de connaissance de Dieu, par les limites de notre condition corporelle, si on peut dire. Alors que lorsqu'on est au-delà de la mort, à ce moment-là, nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. Merci beaucoup. Et donc tu vas nous annoncer que la dernière conférence du cycle sur saint Thomas va être absolument passionnante. Absolument. Mardi, dans 15 jours, le 16 mars, à 20h30, dernière conférence du cycle sur les sacrements chez saint Thomas et l'efficacité actuelle de la vie du Christ. Et elle est donnée par qui, cette conférence? Un certain frère Marc-Antoine, votre serviteur. Quelle modestie, hein. Voilà, donc vous savez que pour nous soutenir, vous pouvez mettre des likes sur cette vidéo, la partager. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, soutenir financièrement le couvent en faisant un don, notamment par le site de la Fondation des Monastères. Merci beaucoup et puis rendez-vous dans 15 jours pour la prochaine conférence. Bonne soirée, au revoir.